parce que le tir allemand et puis au Québec monsieur. C'est un monde qui a fait négociation pour rançon, pour libération, monsieur. Parce que tout le monde dans Kailan. Il veut identifier côté dans la négociation. Tout le monde dans Kailan a changé sim tout ce qui a fait. Il a fait passer. Il a passé dans samedi, après-midi, je suis prêt à faire un téléphone. Ce téléphone, il a avisé. Il a dit, Zami fidèlement yo, depuis nous t'avons vu ça, nous tous connaissons ces voies information. La police m'arrête au crab, yon un membre actif du gang crasé barrière, que puissant chef gang criminel vite l'homme innocent a dirigé. Tout ça que nous avons gardé sur l'écran là, misérele, Kenol capitaine alias Kato, t'allez nous prendre qui est misérele, et puis, nous qui ça, li impliqué dans le gang crasé barrière. Dans le pays États-Unis lui-même, il y a trois personnes qui arrivent perdu la vie, dans une fusillade qui fait jeudi lundi 27 mars là après, il y a un individu ouvert coup de zam sur l'école primaire. Pas bon la caille nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, pour seulement jeudi dimanche 26 mars là, bandits à zam kidnappé environ 9 personnes dans Port-au-Prince là. Parmi eux, il y a deux là-dedans qui sont les gens qui t'appellent l'église, et puis il y a 7 autres. C'est le monde qui t'a pralé dans la gradation. Mes amis, il y a la red là, il y a l'empire dans le pays d'Haïti. Puis il y a ce qui est pour sortir, ou sous des chances. Soit un kidnapper ou bien tout, ou protéger la ria, ou aller. Mes amis, regardez la vidéo ça jusqu'à la fin. Nous avons plus d'états avec précision sur ça ou sur ce temps là. Nous demandons pour abonner à la chaîne là, peser sur la notification pour l'aider dans la vidéo, pour ne pas rater. Pour que l'on l'a dit comme ça, les petits couleurs de baiser grandit. C'est notre rôle, l'irrité. La police a annoncé, yo arrêté Kenol, capitaine alias Kato, qui c'est membre actif du gang qui est écrasé barrière, qui est dans la tête li, général en chef, puissant chef gang, vite l'homme innocent, qui nous connaît vite l'homme innocent, dans le écrasé barrière, il sélectionne qui est contrôle Pétionville, dans le moment que m'a parlé là, dans Peigné, dans Tabac, dans Torsel, c'est chef gang, vite l'homme qui a dirigé. Zone sa yo, mes amis, baga la grave. Nèg yo a pris plus de territoire. Dommage, pas qu'il l'État. Dommage, autorité va dire rien. Dommage, Friends LB, qui opération. Tonak 1, opération Zambawe, qui résiste à l'Ibaï, qui sa l'pote pour pays ya. Mes amis, femme tout bien là, seulement, jeudi dimanche là, yo arrêté tout ça. Qui a regardé la misère, Kenol, capitaine, alias Kato. Selon ça, la presse nous connaît. Kato, yon arrêté misé. Dans une opération qui était monté spécialement dans Paris et Masla, Kato, yon dit nous, misé, c'est mon Okaï. Misé, yon sorti dans le département Sid là. Yon arrêté misé hier dimanche là, sous chaîne Masla. Et puis, yon tout dit que nous connaît. Kenol, ça, qui nous regardé sur l'écran là, selon yon source policière, Kenol a implication li dans l'assassinat Marie Gauthier Franklin avec yote tout kidnappé Marie qui c'est Jean Franklin. Kenol c'est moun qui te gen antenne sur moun sa yo. Kenol c'est lui même yote bal mission pour ka veye de moun sa yo pour te ka déposer la patrouille pour te ka kidnapper. Fin touye Marie Gauthier Franklin 80 l'année. Boule cadavre et puis kidnapper Marie victime là Jean Franklin dans date 7 octobre 2021 dans tabac 68. La police t'a cherché tout le monde qui était impliqué dans Axila. Je quitte lundi 27 février 2023. C'est le compte enlèvement, une entité dans le DCPJ, rivé arrêté Joseph David alias Tibla, membre actif, gang crasé barrière, vite l'homme innocent à diriger. Jean Franklin, pendant une parade d'identification suspecte dans le DCPJ, t'es arrivé identifié Tibla. Comme un monde qui t'a négocié rançon avec famille dans l'espace qui est séquestré là jusqu'à ce que les jeunes libération li. On vient vendredi,
Dans samedi matin, au Vini, nous sommes passés, nous avons dit que nous avons identifié, parce que nous sommes au courant qu'il n'y a pas de ça. Non, dans le DCPJ. Qui n'est pas de ça, tu es qui va différer. Non, quand elle a dit, qui est bon différent. Qui va faire ça de petit abat. Il dit comment dans la mission, on va passer comme ça. Il dit que mon victime, il a toujours quitté plein avec le numéro. Si que quitter le numéro, on va être assez. Si que m'activer, on va être comme ça. Que on a une pièce d'identité de visage, que on a une. Quelques jours après l'arrestation, David Joseph, alias Tiblan, t'as dénoncé qu'il n'a le capitaine, alias Kato, comme principal monde qui t'a organisé complot. Pourtant, Kinol t'a voulu faire quoi? Il pas gagné pour être exacti là. Vite l'homme. Vous pour nous. Qui sont dit groupe ça fait la gao? Le 6 octobre. Ton équipe jeune garçon a gros enfant entré dans la caille. Quand nous sommes Jean Franco. Vous prenez machine, vous tuez le monde, vous brûlez la caille, vous voyez la paix. Quand vous quittez la caille là. Selon témoin de la victime, vous êtes une victime. Vous savez, on a fait une négociation parce que vous étiez dans le et puis vous avez fait monsieur. Vous savez, on a fait une négociation pour rançon, pour libération, monsieur. Parce que tout le monde a fait une négociation. Identifier côté de la négociation. Tout le monde a fait une changé de signe tout sur la paix. Il a fait passer. Il a passé dans samedi, après-midi, je suis prêt à faire le téléphone. Il a avisé. Il a dit, il a dit, et puis les lieux, tout comme les lieux, pas qu'à c'est le même seulement qui est disponible. Parce que les gens qui ont changé de numéro, ils ont été fait ça, ils ont été fait ça. Et puis les lieux, ils ont dit, on va changer de numéro, ils ont dit non, on fait ce numéro-là, on ne sait pas les numéros toujours. Qui est le capitaine, qui c'est le monde qui a travaillé la caille victime, après ça, il a caché dans la ville au caille, dans le département site PIA. Dans le cadre poursuite enquête là, agent de CPJ a réalisé un filati jusqu'à ce qu'il arrive à mettre un barcode qui est sous son masque là. Je suis un masque. On fait 8 jours là. Ce 6e jour, il me dit comme ça que Marie, relé maman, me dit comme ça. Il fait des places dans la caille avec nous. En parlant de moi-même. Il n'y a pas qu'à dire ça. Il relé l'autre madame qui est dans la caille ensemble avec nous qui s'y sert. Madame dit que heureusement, il dit son nom là. Dans la fin de la caille, ça, qui sont les cafés. On va dire que nous allons écouter le camion. Tiblan, d'après information la police disposée, gain implication présumée dans l'assassinat directeur académie police là. Commissaire divisionnaire Harrington Rigaud, je quittais vendredi 25 novembre passé à Tiblan Jeto, Wall Sentinel, pour chef gang Vite l'homme. N'a fait qu'on est, dans le cadre même dossier ça, il y a plusieurs autres monde de CPJ à chercher, tant que Stevenson Charles, Fanfan Jules, Epiphania. Genol participe dans l'assassinat, dame ça qui c'est Marie Gauthier Franklin, des moun sa là, qui c'est des Haïtiano américains. En parlant, il faut que je dise bien, pendant que je des Haïtiens américains, la semaine passée, il y a des Haïtiens américains, bandits à exam kidnappés dans Port-au-Prince. Des gens qui ont créé Jean Dickens Toussaint avec Madame Lee, qui c'est Abigail Toussaint. Ils ont 33 ans. Ils ont été en bis. Bandits ont campé bis là. Qui t'a sorti Port-au-Prince, j'aime ça dire nous là. Et puis, yon fait un dessin, yon tout kidnappé
de moun sa yo qui c'est des haïtiens américains. Bandi yo mande $200,000 vêtements coupés pour avoir pour qu'à libérer des moun sa yo. Et $200,000 yo mande ya, yo mande $200,000 sa pa tête. Kounya la yo besoin $400,000 pour qu'à libérer des moun sa yo. Bon certainement qu'on a jamais reconnu est-ce que yo ka compter tout comme ça. Imaginons yo mande $200,000 par tête pour n'aider des moun ki nan meyo. On prend 200 000 plus 200 000, d'abord 400 000. Est-ce que bandit ça yo a pas compté l'argent ça? Mes amis, bagala grave dans le pays d'Haïti. C'est mettre quoi veiller quoi. Département d'État fouille bouche dans cause ça. Yo fait qu'on est, yo au courant gen des Américains qui disparaissent dans le pays d'Haïti. Mais yo pas confirmé si c'est kidnappé ou kidnappé yo. Nous connaissons moun sa yo pas jamais envoyé monter. Faut bien confirmer est-ce que c'est kidnapping qui est lié. Même si yo connaissé kidnapping et pas rien vient faire pour moun non parce que nous songe nèg katema aux autres kidnapper américain pour yo yo va faire rien et pas rien vient faire non yo veut juste besoin connait ou connait yo va répéter ça moun dit nous qui dans pays d'Haïti nous confirmer parce que bandi yo dit mais combien cob pour yo bail pour ka libérer moun sa yo. Mes amis, nous connait qui j'ai département détaillé, nous connait qui j'ai yo fonctionner des moun sa yo qui dans moun qui dans kidnapper yo. Si yo t'est entré c'est parent yo. Yo t'es venu qui malade et puis tout match pour yo tout croisé avec met pays yo bandi pays yo tout kidnapper des moun sa yo. Yo t'es non bis ka sorti Port-au-Prince bandi yo croisé devant bis ta yo fait moun descend et puis yo tout kidnapper des haïtiano américain sa yo. Bon tout ça qui relé kenol là nous retenir sous monsieur participer dans assassinat Marie Gauthier Franklin et puis tout ça qui doit là. Ben, on te dit Zack ça passé en dedans kay là. C'est en dedans kay là yo entré à l'assassiner moun yo. Est-ce que t'en décosé? Mais go là ka oui ou pas épargné. Allez voir pour t'apprendre la rue pour ou. Ou prend la rue, ou victime pirèd. Ba ça passé nan kay Marie Gauthier Franklin qui nan tabac 68. Jour qui était 7 octobre 2022. C'est ça la presse nous connaît. La police dit né sacré le Kenol capitaine alias Kato. C'est lui-même qui était principal instigateur pour te river faire action ça sur moun yo. Pendant tout ça, j'ai regardé monsieur là pendant tout ça parler, monsieur tout arrivé dénoncer alcoolique Clio mais qui était là pour te planifier causer ça. Monsieur lui dénoncer un certain de David Joseph alias Tiblan que la police te gétant arrêté monsieur déjà dans une opération qui baptisait Tornade 1. Il était arrêté, ne crée David Joseph alias Tiblan. Et puis tout, femme du bien, la police fait nous connaître, il y a un autre monde qui a cherché, toujours dans le même dossier ça. Il y a un certain de Stevenson Charles, il y a un Fanfan Jules, il y a un Fania Julien, avec l'alcoolique encore, il a cherché dans le même dossier Marie Gauthier Franklin avec Jean Franklin qui est bandit. Crasé barrière yo, yo détruit dame nan et vidéo kidnapper monsieur a. Jusqu'à présent là, y a cherché moun sa yo nan quatre dossiers ça. Moun sa yo c'est des haïtiano américains. Nan pays États-Unis, gen yon gros fusillade qui fait nan l'école primaire. Gen yon individu qui a les amni qui ouvert coup de zam, ni ka dit ouvert coup de balle sous l'école primaire. Gen trois ti moun qui arrive à recevoir balle, il fait vrai pour payer son chapeau. Si vous avez mouru. Imaginez que vous petit ouvert l'école et pour vous attendez, il prend balle, il y a l'eau, l'hôpital dit que si vous avez pris balle, il mourit. Mes amis, qui est-ce que vous avez douleur en tant que maman petite? Mais souvent, ça a toujours arrivé dans le pays États-Unis parce que nous connaissons dans le pays ça, des armes légales. Depuis que vous avez ou capable de compter là chez Zamou, mais là, si vous avez 18 ans, si vous avez depuis 17-18 ans, vous avez des amis. Si tout n'est pas qui dans le ghetto, n'est-ce pas que ça a jamais fonctionné. C'est rare et difficile pour vivre dans les États-Unis pour ne pas avoir des amours sur le ghetto. Mes amis, fils de la fête, il y a trois personnes qui recevaient des balles, ils ont mouru. Selon Sam Kadi, c'est selon Sam Jouin, des informations, à travers plusieurs et journal, qui m'a dit pression, il y a fait qu'on est. Individu ça qui arrivé rale les amis tiré sur l'école ça yo arrive la police arrive stopper monsieur yo arrive stopper même tout stopper monsieur blessé mortellement
yo stopé monsieur, yo kembe monsieur là, monsieur au criminel comme ça. De pour pas on dit qu'ou pas danger pour en force de l'ordre, il a stoppé ou. Yo stopé monsieur pour qu'on y a là toute situation que tu reprend contrôle li dans pays États-Unis. Ça action ça qui passé là, il passé non l'école qui dans zone Charville qui dans zone qui dans secteur sud États-Unis. C'est ça on fait nous connaît. Mes amis, bah la grave, bah la empire. C'est parce que dans le pays d'Haïti, il y a une insécurité. Même les gens qui courent pour participer dans le programme Biden, comme ça tout, pour courir pour une insécurité dans l'Allemagne ou aux États-Unis, dans le pays d'Haïti, il y a une insécurité. Insécurité à tous côtés, de tous côtés net sur la planète là. C'est ça qui arrive, nous partons de parler de lui dans le journal, mais toujours il y a une insécurité. Insécurité, c'est ce qu'il fait pour tout le pays. Femme tout bien là, arrière dimanche là, il y a environ 9 personnes qui arrivent kidnappées dans la capitale Port-au-Prince là. 9 moun sa kidnappé a gen de la moun sa yo c'est l'église yo ta pour aller imagine pas le prier bon Dieu et tout bandi quoi avoir yo kidnappé ou kounya la qui sont pas di bandi kidnappé là pour nous l'église va le prier bon Dieu et puis gen 7 l'autre moun faut me dire bien 9 moun gen 7 l'autre moun qui dans deux machines ça moun sa yo c'est dans gardien sont ta pour aller et puis tout bandi tout kidnappé moun sa yo kounya la ou va ka fonctionner dans pays d'Haïti. Ou te ka di a, m'ap sorti, m'ap fè nulle part. Pa gen rien ka fè m'sorti. Mais comme konnen jou dimanche tan, jou pou prier bon Dieu, ou même qui sont fort croyant, ou c'est petit Jésus. Ou konnen ou pa bay bon Dieu tout gloire qu'elle méritait. Ma chance pour ou, bandi kwa zavò ou kidnappé ou. Et puis tout là, ou tu pa sorti, ou pa jam sorti, ah, comme yon invite ou nan gradiation, ou fè ko belle, ou pa nan gradiation, et pou mette belle tradou sou, ou habillé chic chic choc, ou pa nan gradiation, ma chance pour ou. Quand on va jamais te connaître sorti pendant où est-ce sorti à bandi tout kidnappé mes amis c'est mettre coffre veco tout coucou clair bougeau Jean Carré pas n'était toi et pas c'est maron qui était pays d'Haïti maron qui était pays d'Haïti parce que nous pas venir bail bandi faire des cabes sous nous pas gagner l'argent les bandi kidnappé nous demander combien millions de dollars américains quand nous imagine l'argent ça mes amis n'allez rendez-vous dans prochaine émission pour nous venir traiter l'autre dossier n'a mande pour partager vidéo l'en faire vidéo ça l'en chercher toute information pour nous porter le baou. Pas qu'il y ait de façon pour qu'on tout. Partagez vidéo, faites nous venir jeunes, notre famille, notre ami, pour le cas, jeunes, bonjour, information, sans retirer, sans mettre. N'allez, rendez-vous dans une prochaine émission. Et il y a deux Américains qui sont couple soulevés, donc ils ont été kidnappés pendant le week-end. Vous voyez, samedi, oui. Donc ils ont dit que ils ont fait signe de vie et ravisseurs permettent qu'ils parlent avec la famille pendant moins passé 5 minutes et selon toutes données. Qui disponible, eh bien, coupe haïtiano-américain, ça, il t'a trouvé, lui, au niveau de Martissan. Bonjour, Luxon Saint-Ville, qui ça et information, oui. Bonjour, Johnny Ferdinand, bonjour, Lydia Alexandre, guerrier du ciel, Pierre Ronel René, effectivement. Allô? Alors, Jean Rousseau dit tout à l'heure, deux haïtiano-américains, ça, yo, qui c'est Jean Dickens Toussaint qui est gagné avec lui Abigail Toussaint yo tous les deux gagné 33 ans yo kidnappé samedi 18 mars qui s'est passé à d'après ça famille qui dans sud Floride fait connait. Alors nan yon reportage qui passé sur chaîne américaine qui dans Floride qui est les local 10 news et bien famille fait connait kidnapper yo dimanche qui s'est passé là permettre que yo parler avec deux otages. Son conversation qui t'écoute qui t'a duré moins que 5 minutes. Selon ça, Nikes Toussaint qui c'est sœur Jean Dickens Toussaint fait connaître, il dit que kidnappé t'est juste ba yo téléphone là pour yo ka parler avec yo et yo t'a dit yo pour yo juste reler premier monde qui paraît dans la liste dernier appel que yo te gagné. Dans reportage ça et dans cadre interview exclusive que yo bay à média local 10 news dans sud Floride, famille fait connait et otage c'est dans zone Martissan que yo est plus particulièrement dans zone Grand Ravine. Et dans reportage là on précise que c'est dans main gang Tilapli deux haïtiano-américains ça yoyé m'a parlé de Jean Dickens Toussaint avec Abigail Toussaint.
Dans le même reportage, ça, Média Floride l'a fait connaître, proche victime, pour le moment, il y a travail et en étroite collaboration avec l'ambassade américaine et puis FBI, une façon pour être capable et qui est capable de joindre la libération de Haïtiano et Américain. Ça, on a rappelé qu'ils vivent dans une zone qui est le Tamarack, dans la zone sud de Floride. Là. Et pendant qu'on a parlé de sud Floride, Local 10 News fait qu'on a gagné plusieurs officiels dans l'État Floride qui fait média connaît que c'est un dossier qu'il y a suivi de très près, il y a suivi les petits pas petits pas pour voir comment il y a avancé. Famille, il espérait que Abigail avec Dickens a tourné la caillou sain et sauf et il dit il aurait été quoi que FBI avec l'autre autorité en Haïti a permettre que recherche au fait et permettre qu'il retourne la caillou. Luxon Saint-Ville, dans l'information qui est disponible, tout m'a connu sur les chances de parler de ça, mais et sinon, ou t'as capable d'éclaircir nous, est-ce qu'il n'y a pas gagné rançon qui m'a dit? Donc, si oui, et dans quel niveau? Alors, faut que nous disions, famille, en fait, qu'on est d'abord, et monsieur a demandé $6,000 américains pour libération, couple là. C'est sa famille. $6,000 ou $6 millions? $6,000. Yo précise. Et puis, yo dit yon fois que l'argent vient joindre yo, rançon ta vin passer à $200,000 pour chaque. Ça veut dire, au total, c'est $400,000 yo mandé pour couple là. Dans un premier temps. Si comprenne Lixon, dans un premier temps, yo mandé $6,000 américains. Donc, est-ce que comme ça, l'été baille? L'été bail. Final, ok, voilà, c'est ça. Effectivement, automatiquement l'argent finalé, eh bien, bah, qu'on ait si c'est rapidité, j'en l'argent vini, kidnapper au mandé, $200,000 pour chaque qui vient faire au total $400,000 pour couple là en général. N'a pas rappelé que Jean Dickens Toussaint avec Abigail Toussaint qui ont 33 ans, ils ont gagné un petit garçon, monsieur, dame. Petit garçon a fêté 2 ans jodi a fait petit garçon yo 2 ans selon sa famille li même a li di Local 10 News. N'a rappelé coupe haïtiano américain ça yo te rendu en Haïti pour seulement 4 jours yo vini pour seulement 4 jours et gade l'autre information que me gagné que me poko ka partager avec et auditeur auditrice yo. Moi a fait contact là pour moi et parler avec famille. Gen des informations qui pour qu'on diffuser mais gen des informations que me disposer que me pour qu'on décider bail parce que gen pile doute sous Jean kidnapping de moun ça au fait. N'a pas rappelé que moun yo t'est passé par porte Léogan yo t'est sorti airport, yo t'est prend direction Léogan. Moun yo c'est moun Léogan yo yé. Yo t'est venu pour yo vinn wè et on parent yo qui malade mais tout. Yo t'es venu pour yo t'es participé dans un festival communautaire. Alors nous même comme haïtien c'est l'endroit des festivals communautaires, on moun c'est moun Léogan et nous n'a période rara. Donc c'est sûr que c'est peut-être un rara moun yo t'es venu même pas gain garantie à 100% mais média américain ont dit yo t'es allé en Haïti un pour parent yo t'es malade mais tout pour aller participer dans festival communautaire. Donc voilà pour ça nous connaît. Et pour matin on a parlé à famille dans cadre interview exclusive by Local 10 News. Yo dit que yo parlé avec otage bandi yo permettre otage yo parler avec yo pendant moins de 5 minutes et yo dit yo croit que otage c'est dans aux environs Matisse 5 que yo est particulièrement dans Grand Ravine et yo dit c'est gang ti l'appli qui kembe deux haïtiano américain ça yo. Merci à Luxon Saint-Ville pour toute précision ça yo concernant kidnapping qui fait sous Jean Dickens Toussaint avec madame Lee Abigail Toussaint ou Abigail Baronet, c'est deux haïtiano américains et Luxon dit ça qui a 33 ans, yo était dans petit bus qui t'a sorti Port-au-Prince et gang yo était campé bus là, yo faire descendre et puis aller à Kyo.
Donc ça veut dire que vous avez besoin. Et Luxon, vous expliquez nous là, selon l'information qui est disponible, dans un état où vous exigez $6,000 US, ce que vous bail, mais après, vous avez demandé $200,000 pour chaque, ça qui vous fait $400,000. C'est comme si $6,000 sont frais d'entrée ou bien pour réserver place là. Pour vous payer place. Pour conserver place là. Nous allons parler tout à l'heure avec Thomas, la ligne, mais concernant kidnapping, toujours, mettre Hickenson et Dumé fait finalement signe de vie après vous sans nouvelle depuis lundi 20 mars qui s'est passé à Selonon. Frère Metla Abdias et Dumé nous parler avec le téléphone et Dumé Abdias bandit qui kidnappé le tout l'année passée lui expliquer bandit yo fait otage à parler avec yo samedi hein, pour faire qu'on ait le kidnappé mais jusqu'à hier soir depuis samedi yo pas reparler avec bandit yo pas aucun appel qui venu de direction ça pour au moins t'as parlé de rançon, mais nous apprenons bien avant ça, hein, moun qui t'a accompagné, mettre là, yon t'a kidnappé tout, yon présenté comme yon, maman, petit li, yon t'a rentré en contact avec proche li. Donc voilà pour information nous gagne concernant situation. Mettre Hickenson et Dumé, dans le premier temps, nous t'a posé question, est-ce que le kidnappé ou bien c'est disparaître, les disparaître? Eh bien, mettre et Dumé kidnappé, il y a parlé avec famille. Depuis week-end, il y a un nouveau élément. Oui, tout ça passé tout à l'heure. Zot Postmachan, Riel Jadine, ça qui gagne encore. Oui, l'autre élément, c'est que gagne un policier qui blessé et il a couru l'hôpital avec lui, contrairement à l'information bien avant qui était fait quoi que lui mourir. Donc, son policier qui est affecté sous Front National. Donc, monsieur semblait être déplacé, machine kidnappée. Sans alerter base, sans alerter policiers qui sont dans la zone qui a mené l'opération. Donc, c'est dans le moment où je vais déplacer la machine. Non? Et donc, monsieur recevoir plusieurs balles selon ça nous apprend. Donc, il y a pour recevoir soin pour qu'elle est là l'hôpital. Et il y a dit tout gagner plusieurs dans bandits qui sont blessés. Mais monsieur arrivé quand même échapper à toutes les amis dans la main. Otage là, qui c'est une femme, les blessés, les a pris soin à l'hôpital dans le moment ça, et il a précisé pour nous, le kidnapping ça a été fait d'Elma. Donc c'est depuis Delma à l'Atlanté Bay et la police les mêmes dans le croisé avec M. Sayo qui t'a pris route Belay avec otage là donc zone l'allure où il y a le chrétien et etc. Donc et c'est là bataille n'a fait et bandio arrivé quand même échappé jusqu'à présent avec Zamio Namayo gagné un policier qui blessé pour rappel et les mêmes qui est déplacé machine non malgré au dit monsieur radio communication dans mail mais elle semblait pas alerté pour dire que la déplacer machine non. Donc l'autre policier qui était dans l'entourage là est tiré sous machine là et policier ça qui a affecté Fort National sorti blessé et plusieurs un bandit t'a blessé également et otage là qui c'est une dame lui même tout lui blessé et la parole se voit soin bandit t'a kidnappé depuis Delma il t'a pris direction Belay. C'est ça que fait le monde où les kidnapper eux pas souhaité que machine bandit ou al croisant patrouille policière. Parce qu'il faut aller un dommage collatéral. Oui, ça a arrivé qu'on passe. Je me crois que c'est dans ce de perdu professeur Doué Lanko. Donc, dame l'a blessé. Bon, j'espère que le pas blessé dans nos zones qui vitales, vous comprenez, et que le rétablit le plus vite, même avec policier à tout. Mais ça paraît beaucoup plus dérangeant, c'est que Nagyo prend la fuite à toutes les âmes. Toutes les âmes, oui. C'est pas de la bonne idée. Pendant qu'il y a couru, il y a tiré. La population, voilà, pas capable pour défaler aller tout. Donc c'est certain. Les Jardines sont quartier qui est habitable. Donc ils ont traversé en communauté et ils ont arrivé sauté quand même en dépit de appel la police. Donc la police qui toujours demande des collaborations. Mais Mounio encore. Non, même sans parler à l'instant de survie, mon yo même y a protégé tête yo, yo pas voulu faire appel pour yo pas tomber sous mauvais monde pour aller dénoncer yo. Donc comme ça en pile fois yo pas porté collaboration la police a demandé ne connaît pas gain police sans population n'a pour retourner guerrier sous situation qui gain pour ça Port-au-Prince devenu jeudi à et nous voulons croire que c'est pas un simple hasard qui mène nous là, il y a des choix ont été faits qui fait que c'est là nous y est jeudi à, il y a des monde qui était déjà prévoit ça t'a privé et moi j'ai en tête
professeur Michel Souka dans une interview li t'a baï confrère nous dans Radio Métropole Wendel il t'a dit si rien pas fait dans petit temps qui pral venir là m'quoi t'es même baï t'es fait projection dans moins 5 ans on monde a besoin d'autorisation de chef bandi zone ou pour quitter ou bien pour rentrer dans zone peut-être nous poko là et mais gon paquet monde qui a vive situation ça aujourd'hui au point que yo pas ca retourner dans zone la caillou Thomas Lalime peut-être prévoit ça et mon tombé matin sur un article que li était écrit en 2001 dans colonne journal le nouveliste côté il t'ai dit qui ça Haïti a devenu dans 20 ans autant que me rappeler titre là donc ça gagné 2 ans hein, Thomas Lalime n'a pour rejoindre depuis Canada où c'est 2021, oui. Thomas Lalim, c'est économiste, ou vive Canada, et ou a su avec un pile intérêt, ça qu'a passé en Haïti, pendant qu'on a parlé de situation pays, par rapport à côté de sortie pour nous arriver là, et nous avons fait projection, tout au moins, c'est ton interrogation pour te dire qui ça Haïti a devenu dans 20 ans, c'est bien ça, et nous comptons gagner avec nous matin pour nous garder. Projection t'es fait à. Par rapport à qui côté nous y est aujourd'hui, à Thomas Lalime, bonjour. Bonjour Pierre Winel, bonjour Guerrier, bonjour Lydie, bonjour Johnny. En fait, son thématique qui était intéressante parce que justement de 1997 à 2001, moi j'étais chaque jour sous bicentenaire parce que c'est la cité PEAT. Moi j'étais étudiant dans la période ça dans cette PEA et puis moi songé dernière fois moi passé dans cette PEA c'était en 2014 moi t'allais faire une conférence là ça moi c'était promotion inomi jamais qui était invité et puis moi juste ça gagne 2 ans justement juste à songer alors il y a de cela 2 ans 2021 donc ça fait à peu près 20 ans depuis moi même moi j'ai quitté c'était plus en 2001 et puis m'a regardé la situation dégénéré en 20 ans et puis moi t'as posé cette moi question 20 ans après qui ça va le passer dans si situation continue comme ça. Juste pour...